Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve dans Cloudpunk, 19e épisode. Et là, je suis avec vous, avec mon café, on va prendre le point. Première chose, il y a une mise à jour, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, il n'y a pas d'infos. Deuxième chose, j'ai mis au maximum les graphismes, je pensais qu'ils étaient au max, mais non. Mais je vois pas grand chose. Alors, le point de l'histoire, voilà, on a réussi à récupérer la petite fille Pashta. On l'a sauvée avec Huxley. On l'a sorti des griffes d'une sorte de corpo mafieux, tout ça parce qu'elle avait une puce dans la tête. C'était pas la gamine, c'était la puce qu'elle avait avec des infos. À cause de son père, qu'elle a renié d'ailleurs au passage. On retient quoi? Une drôle d'histoire à Corpsec. Enfin voilà, il y avait des choses. Mais ce qui est triste, c'est qu'on a perdu Huxley. Huxley s'est sacrifié pour qu'on perde notre piste. Il s'est auto-détruit. Bon, Pashta, du coup, bah, elle reste à la maison. Elle est jeune, on la garde avec nous. D'ici à ce qu'elle fasse des études, peut-être. Je sais pas si c'est possible à Nivalis. Alors, c'est vrai que c'était une histoire annexe, secondaire, mais bien ficelée. On était bien dans le scénario. J'étais assez étonné. D'un autre côté, Cora, on a eu moins de retours. L'IA qui gère la cité qui part en sucette. Et là, à la fin de la mission, on a été contacté par le contrôle. Sauf que le contrôleur parlait comme un robot basique, sans donner plus d'infos. Et ça a l'air un peu bizarre. Donc, je pense, excusez-moi, je bois une garrochée en même temps. Qu'on va avancer dans le lore, mais de façon grave. Et j'ai toujours pas avancé non plus avec Dr. Evelyn. Ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'il faudrait pas que je la fasse elle en plus? Je sais pas. Mais regardez-moi l'appartement, du coup, lit double. Alors c'est à qui celui-là? On va dire que c'est à moi quand même, avec la lumière au-dessus. Et Pashta, tu as ta petite chambre à côté. On a une vue. Ouais, c'est un peu japonais. Là, c'est un miroir. Non, c'est bien. Regardez la maquette de Ova. Ouais. Est-ce qu'on a encore des améliorations à acheter? Ah, rien. On a dépensé beaucoup de sous. Est-ce que Pashta en peut parler? Non. Bah écoute ma chérie. Le frigo est plein. Il y a de la pizza. I like it. J'ai fait un abonnement, normalement ça se recharge, donc cool. On a les petits poissons. J'aime bien le rappeler ça, regarde ça. Et c'est des pixels, hein. Non mais... La photo d'un inconnu, on sait même pas qui c'est. Joe. Un ancien amant peut-être. À savoir. Mais par contre c'est vrai que... Non, on a des lumières. On avait ça à la porte. Et surtout on a un oiseau en cage. Et ça c'est excellent. Et on peut même pas zoomer dessus. On peut pas le voir. Voilà, Nivalis nous attend. On va regarder la map. Justement. Est-ce que je peux? Ah. Excusez-moi, j'arrive à me déplacer et je n'arrive pas à ouvrir la map. On va regarder les options. Alors. Interface. Commande. Je m'étais gouré. On n'a pas accès à la map dans l'appartement? Carte. Bah si, c'est M pourtant. Bon bah écoutez, dans l'appartement on peut pas, il faut qu'on sorte de là. Et je ne peux même pas courir, c'est pour ça. Allez, l'aventure reprend du coup. Avec un bon café. Ah, j'espère que vous portez bien, que vous profitez de vos mercredis. Moi aussi. Faites ça baigne de ce côté-là. Allez, charge-toi, ma grande. Donc, c'est une série qui est pas très regardée dans la communauté. Par contre, je vais aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais City of Ghosts, je pense pas faire l'extension. Ce sera plus pour vous après, si vous voulez continuer. Vous savez qu'il y a ces DLC. C'était quand même très sympa. Gaz, l'éclate, non. Alors. Ici, on a du fric. Par contre, le zoom est pas très violent. On a une carte là, une, deux. On a quelques cartes. Ouais, il faudrait que je le fasse en off. C'est vrai que ça va être embêtant pour vous. Là, on va vraiment s'arrêter que dans les quartiers où on se pose. S'il y en a, on les ramasse. Allez, on récupère Camus. Par contre, c'est toujours un temps de chat. C'est un bus, ça? Ah ouais.
Dommage qu'on puisse pas les voler. Tu trafiques, hop, tu grimpes dedans. Allez Camus, ouvre la porte. On passe en vue normale, pour pas trop se cogner. Cette fois, le carburant, on est bien. On a eu chaud la dernière fois. J'avais un chrono. Oh, en fait, cette voiture-là a trop de souplesse. À chaque fois, j'oublie. Et boost. On va tourner à droite, attention. On va changer de map. Avalon Heights. C'est parti. En plus, on a les sirènes des flics. Alors même si c'est une série qui n'est pas trop regardée, moi ça reste mon jeu coup de cœur, chacun ses goûts. Et ouais, je le recommande ce jeu-là, il faudra que je fasse d'ailleurs un commentaire sur Steam. Bien, on va se poser là, on va observer vite fait. Ici, on n'a rien à récupérer, par contre là, ascenseur. Alors, je vais quand même ramasser ces deux-là à côté vite fait, avant d'aller voir le contrôle. Voilà. Ah, puis on va se garer chez qui, là? En face, c'est Thorax. Attends, on va regarder la concurrence, un peu. Ok, Thorax. On verra. Allez, Evelyne, courage. On va récupérer ta mémoire. Et de 1. Je crois qu'il y a des personnages à voir sur ce côté-là. Que j'ai vu brièvement. Hein. Il n'y a pas un jour où il ne pleut pas, hein, Nivalis, hein, par contre. On n'a jamais été ici, les galeries Mélise. Donc on a un resto. Ok. Et oui, on a quelqu'un à voir à l'autre bout. Alors, sachant que quand on voit des personnages, ça débloque des hauts faits. C'est juste pour le fun. Ce qui fait penser qu'on a aucun retour des robots qu'on avait libérés l'autre fois, de leur tour. Je sais pas si c'est un scénario qui va nous retomber dessus en boomerang. On avait un choix à faire. Ah ouais. Centre commercial assez important. Est-ce qu'ils vendraient un café? Non, ils vendent que des... C'est de l'alimentaire de base, il n'y a même pas de marchand. On va se rapprocher pour voir un peu mieux les gens qu'on double. Salut toi, œil laser. La joggeuse en néon, ça j'adore toujours. Oh, c'est carrément Star Wars, lui. Un républicain. Est-ce que vous voyez des différences graphiques au maximum? L'homme au cigare, le v'là! Non, je change pas. Par contre, il y a une sphère là-haut. On n'a jamais été voir cette sphère. On voit même qu'il y a un plan qui est marqué sur le pont. Vous voyez ce que je vois là? Attends. C'est quand même incroyable. Alors on va faire ça bien. Est-ce qu'on peut aller là-haut? La sphère est là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Il y aura sûrement quelque chose à faire. On voit qu'il y a des chemins encore derrière. Même là, c'est bizarre. Il y a des structures intéressantes, hein. Allez. Le personnage est en vue. Donne vie. Oui. Hey, hi. Hello there. I saw you earlier delivering parcels. Peut-être. Are you Cloud Punk? No, sorry, I have to go. Wait, don't be like that. Listen, I know you're Cloudpunk. I just want to ask something. And who are you? Oui, déjà. Don V. I work for the Inquirer. A reporter. Oh, no way, Mr. V. Not Mr. I hate when people do that. Just call me Don. Bien sûr. Shit, me too. Sorry, Don. Look, you don't need to talk to me, but I'm investigating corp corruption.
You're from the East, right? No one from out that way loves the corpse. What do you need to know? You delivered to the Spire, right? That's your question? Mission next. Just confirm something for me. Are they ordering pizzas via express delivery up there? The CEO of Entek says that all corps are on a spending freeze till the end of the day in sympathy for the famine in District 6. Will I get in trouble for saying anything to you? Évidemment. Probably, and so will I. You ever meet an investigative reporter in Nivalis before? Nope. That's because they're all at the bottom of the sea. So... Yes, they ordered pizza. I knew it. Here, take this. I tip all my sources. Ah, sous la torture, tu vas la dénoncer. Makes them less likely to sell me out to CorpSec. Thanks, Cloudpunk. Oh là 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 là, et ça débloque, oui. Je peux vous citer. Succès déverrouillé. Ça pue. C'est une bêtise. Bon, est-ce que là tu offres un bon café, quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Oh, la coupe de cheveux. Une grande assiette de sushi ou un hors d'œuvre de sushi? Hors d'œuvre. Nice. Après la pizza, c'est une bonne journée. Hein. Y'all come back, you hear? Yeah. Bon, on va récupérer la caisse, on va aller en face, on a tout pris. Hein. On a tout pris, et en face, il n'y a rien de particulier, donc c'est bon. Pas de regret. Je lance beaucoup de trucs à retardement, je trouve, là. Le punk va me rappeler, je pense. Ah, un marchand. Est-ce que j'ai des choses? Rien de particulier. Un sac à main que je m'étais offert à $290. Hein. Ouais, non, on n'a pas looté de choses tellement intéressantes pour rien vendre. Là, je vous raconte pas. J'ai un chat qui passe sous moi. Entre mes jambes, il me chatouille, mais c'est pas l'heure de manger. Allez. Hop. Bien. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Et on est sûr qu'on n'a rien ici. Ascenseur là et là, pourquoi? Pourquoi un ascenseur? En bas, c'est le vide, hein. Il n'y a plus rien, on est d'accord. Oh, c'est bizarre. Donc, en fait, on a rendez-vous plus bas. Ok. C'est le toit de l'immeuble. Et on peut descendre avec ça ? Ah non, non, on va en face. La caméra a du mal, hein. Attends. Donc c'est se rendre avec la caisse dessus, je pense. Le truc, c'est, est-ce qu'il y a un parking? On voit bien qu'ici, on peut pas passer. Très bizarre. Bah, écoute, on va essayer. Suivre le point de navigation, ok. C'est pas aller, c'est suivre. Si je me disperse dès maintenant. Je me suis garé jusqu'où? Allez, tout en douceur. Et Camus, t'es pas là? There's a terminal next to a beacon. It looks like the one we used to talk to Cora? Yes, there's nothing else here. Ah. We are getting a message from Control again. Text only. It says to fly close to the ruined transmitter beacon. Bien sûr. All right, let's go. La balise bleue, là.
se faire un beau script. Alors. I am Cora. I am not as I once was. You again. Ça tombe bien, on parlait de toi. Did you pretend to be control? I am patches on upgrades, systems on systems, mechanical, computer, and human. And yet, you can't just answer my question. I took on the guise of another to bring you here. You stole his voice. He has no voice. He is a shell. Don't say that about him. Deep down, you know how empty he is. I felt the pain of your android passing. He was lost. Then he found me. You're mad. I have no time for this. Huxley says he wishes you well. Huxley? Screw you. I'm leaving. Stop calling on me. Comment c'est pour Huxley? I would have your answer to my question before you leave. What answer? I am bifurcated light. Consciousness through a prism. Elle a dit answer, une réponse, pas une question. La traduction est un peu... I must know what the future holds for this place and for those who follow me. You're a mad old AI with no purpose. Elle veut que tu la suives. This may be true. I still must know. You came to this city from outside. You understand here and also there. You know the city and the not city. If you say so. So answer my question and think carefully on your answer. Ah, chaque fois il y a des conséquences qui s'accumulent. Is Nivalis a city overcome by monsters? What? I repeat. Is Nivalis a city overcome by monsters? Overcome with monsters? No, Cora. Nivalis is the monster. I can't detect a signal anymore. C'est la ville Good. Même, We're la done campagne. With crazy people. Cora said, did you say the wrong thing? I don't care anymore, Camus. Let's get out of here. Ouais, allez, on bouge. On bouge, et puisqu'on n'a pas de nouvelles pour l'instant, on va aller chercher des cartes. C'est quoi ça? Station d'essence. Plein sud, il y a un personnage, il y a une carte à prendre. Par contre, il y a un paquet, on va aller à Grand Rue Hob, si vous êtes d'accord, finalement, le temps d'avoir d'autres news. On va faire demi-tour, clac clac, ok. Allez, on rejoint la meute. Ah mince, le contrôle déjà. Hey, kid, you there? Are you the real control or the annoying fake one? What do you mean? Nothing. What you got for me? I need to ask you to take a passenger again. So, you're the annoying real control. You know, we're not a taxi service, right? I know. But this one will be worth it. Very rich client. Needs to get somewhere without the paparazzi getting a sniff. D'accord, une star, quoi. Someone famous? I think so. But even I don't know who it is. Sending an half point. One more thing, Rania. Yeah? If it's a cute pop star, get me an autograph? Don't push your luck. En même temps, on peut lui faire plaisir. Alors, c'est le bon endroit. Si je me garde là, c'est loin. Mais en même temps... On va avancer Evelyne, du coup, quand même. Parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment se marche la map? C'est bizarre ça, ascenseur. Ah oui, comme par hasard, regardez, la destination est au même endroit. Eh ben ça tombe bien. On va avoir un dealer, non. Comment je fais pour aller chercher... Punaise, c'est là-bas. Ok, et là, il n'y a aucun ascenseur. On comprend le quartier, ok.
Je regarde un petit peu comment c'est fait. Et là, il y a un passage ascenseur. Ouais. Tiens. Ok, lui, il va au bon quartier. On le prend où ? Ah oui, et là, je suis parti complètement... récupérer là, je peux au moins ramasser deux. Et là, je vois une porte d'accès. C'est comme là, en fait. D'accord. On va essayer ça. J'aurais dû me garer plus près. Attends, mais ça marche pas, là. Je pars où? Mais j'ai fait demi-tour. Oh, j'ai fait demi-tour. Excusez-moi, le tech perd la tête. Bon, on va aller en face. Iris est tellement grande, hein. Le passage est là. Il y a même du fric là. On va ramasser ça. Voilà. Une puce mémorielle, ça c'est cool. Côté là c'est bon, on va descendre. Je suis sûr que ça marche ça. Vu la mécanique du jeu. Où est-ce qu'on est? Bingo, c'est ça. C'est bon les amis. Mais le médecin qui a bazardé la mémoire du robot, elle avait ça partout quoi. Ah, et l'ascenseur est là! Est-ce que je le prends tout de suite? Ouais. Écoute, pour s'amuser, pour le fun. Waouh, mais c'est un grand centre! C'est vraiment un nouveau quartier encore et j'ai pas gagné de crédit, tu vois. Bus stop, yes! Si, voilà, la route Protec. Et la ZIC. On va vite monter le score, hein. 7ème carte déjà. La 8ème en vue. Ta-da-dum, ta-da-dum. Qu'est-ce qu'on décide ? Une artère ici, on peut ramasser deux. Il y a du cash. Là, j'en ai deux. Le cash, on fait les deux là et on remonte par là, je pense, parce que là, c'est bon. Ça va, je le vois sur le radar. On. Ok, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut embrayer ici? Non, on n'a pas accès, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accès? On doit descendre encore plus bas, je pense. On va pas se prendre la tête, on découvre un peu la zone. Je n'ai plus de code pour prendre du pèse. C'est pas la peine non plus. L'ascenseur. On le ramènera là. Je vois pas trop le chemin là, je le comprends pas. C'est que du vide. Ah, moi que ce soit ça. D'accord, bah c'est l'accès au-dessus, tout au-dessus. Oh, la caméra, désolé.
C'est violent. Donc on refait le point. Si je vais là, je vais looter deux trucs là. Et il y a quand même aussi derrière nous. On va aller derrière dans le bâtiment avant. C'est la chasse au trésor aujourd'hui, on est d'accord. Hall de cash. Épicerie, bar. Le low club est open. Laissez-moi entrer. Mais oui, non mais... Laissez-moi entrer. Ah ouais, on peut? Non, on peut pas. C'est bugué. On n'a pas encore accès à ça. Ah si, le passage, mais il est fermé pour l'instant. Pourquoi? Damn. Prospectus de corps sec. Ok. Donc il va vraiment falloir ramasser un prospectus et on pourra revenir ici. J'ai pas ça, moi. Ah non, un simple prospectus. Faut pas les vendre, en fait, d'accord. Mince. Le métro centre mineur, ouais. Donc ici, on a deux choses intéressantes, trois choses. Ah bah bien. C'est extrêmement compliqué ici. Hein. Faut que je fasse le tour. Bon, en tout cas, on a de quoi vendre, hein. Le refroidissement, le plastacier, tout ça, c'est bon. Allez, prospectus, dis-moi qu'on a de la chance, ça devrait être logique. Perdu, hein. Une batterie usagée. Donc, on va reprendre, tac, tac, et là... Ah ouais, et on a le point de rendez-vous qui est là. On a tout, en fait. Tout ça fouiné aussi. Intéressant le cercle là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Religieux peut-être, je ne sais pas, du futur. Ah, il est cassé lui, il marche plus. Yes. Ah non, 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 non. Sérieux. Pff, c'est du cash. On s'en moque. Je vais pas en mourir, je pars faire tout le tour. Si vous voulez. Non, non. On va au plus intéressant. Est-ce qu'on peut aller... Alors, comment ça se présente? On a la passerelle qui va nous amener... Ok. Je comprends pas trop, hein. y a rien au centre, hein. La map elle est buggée ou... Ça faisait comprendre comme si ça a démarré d'ici. Un grand trottoir, mais en fait c'est que là-bas. Le rendez-vous, oui. Il va attendre un tout petit peu. On va checker à droite. Non mais non, je peux même pas. On aurait là du cash. À droite, il y a un loot. Déjà ça. Par là, c'est un peu zarbi. Hop. Ah ouais, il faudrait rejoindre l'autre en face, faire tout le tour.
Yamakai. Je pense qu'on va le trouver là. Ouais, ça c'est bon. On est monté à 10, c'est bien. Non, c'est très très bien. Est-ce que j'ai un passage? Il y a Corpsec qui est toujours dans le coin. Puce mémorielle. Ouais, je sais, il y a le prospectus en fait. Je vais être obligé d'y retourner voir. Je l'ai! Vous savez quoi? Tant que je tousse. Et on va finir par le café en face. On va y retourner. Je sais plus où c'était. Et on finira par le rendez-vous. Hein. Alors, on se laisse guider. On est bon là? On est bon. On a le prospectus. On va aller voir ce qu'il y a dedans pour fouiller quand même. Je suis sûr que c'est important. Allez, néon. C'est nouveau ça. Allez. L'employé est là. Salut mec, j'ai mon prospectus. Oui, le grill, succès débloqué. Super. Un resto. Yeah. On va aller te voir, mais attends. Et là, on ramasse le pêcheur. Bon. Bah, eh. Hey. On va se prendre quelque chose encore. Elle fait que manger à cet épisode. Welcome to Ashima Ramen and Seafood. My name is Eddie. What can I do for you? C'est un endroit sécur chez toi. Assortiment sushi, assez de sushi, de l'eau, c'est tout ce que je veux, merci. Thanks. Have a nice day. Merci. On va la consommer. Mm-hmm. Ça va mieux. Ça sert à rien, mais c'est juste pour le fun. Et on a ramassé ce qu'on voulait. Attends, il y a quelque chose d'autre. Ouais, non, c'est l'agent de Corpsec. Eh bien, on va finir par le rendez-vous. C'est marrant qu'on ait vu Cora et l'allusion. Je me trompe pas. Hein. Je repars dans le bon sens. Ouais. Et l'allusion sur Huxley. On en a parlé. Est-ce qu'il n'aurait pas été dans sa base mémoire sauvé? Ce serait un agent d'elle en fait. Là, ça mérite réflexion et vos commentaires. Ok, alors le chemin le plus court, à chaque fois, je n'y arrive pas. Comment par là? Allons voir Avalon Heights. Avalon Heights, le passager. Avec un peu de chance, elle va me TP à ma voiture. J'ai l'impression de refaire tout le tour. Alors, c'est une petite chanteuse. Hi. D'accord. My name is Rania. I'm a delivery driver. I don't normally take passengers. D'accord. I can't believe it is really Dolly. Can I ask you a question? You may. Your new song is so good, but on your second album, on Dream Bop Candy Droid, were you singing about your first breakup? Oh, for crying out loud. C'est un grand fan. No, Camus. I was singing about the pressures of my dream bop world. Sometimes it is very lonely. I am sure it must be tough to be so rich that you can't tell if the people being nice to you really even like you. That is... This was not a very nice thing to say.
I'm sure she can go home and cry herself to sleep on her big pile of money. There is more to life than material success, says the rich pop star. Give me a break. Can I ask an additional question? You may. On your third album, on the song Second Skin, you sang, Metal skin, scales or rubber, I'm your dream girl, bubblegum lover. Does the second skin mean their clothes? Yes, but it also means I believe love exists for all beings. This makes me happy. Dolly's new album, Dolly and the Symbiosis Dream, coming to stores in March. Pre-order for the bonus special edition. Please let this be over soon. You are moody today. No shit, Camus. You remember who we just lost? I remember Huxley. Don't say I forgot him, because I didn't forget. All right, don't get upset. I'm sorry. I also feel lost sometimes. Or I want to get lost. No one knows me. They just love Dolly. C'est pas une poupée. You are Dolly. I am Dolly. I am the real Dolly, the first. Wait, what does that mean? C'est un robot? I am not permitted to explain this any further. I forgot to say, please just drive to the west for now. You act like an automata, right? Like, that's the act? You speak and act like an AI girl, but you're a real grown woman? I am what the audience needs me to be. They recreated me. They copied you? Made an AI that looks like you? I am not supposed to say. So they fucked you too, huh? The corpse, the media, Nivalis. Ouais. Comme ça fait une rente à perpète des chansons automatiques. I was replaced. I was Dolly before Dolly was taken by the audience. And when the audience bought shares in my persona, someone needed to manage the IP. Immeuble, là. That's when they took control of me, piece by piece. My name, my face, my songs, my dances, my personality, the way I talk, the words I say. I came home one day to find my apartment locked. My key card did not work. I tried to get a cab and found my credit was declined. I called on my mother and the number was blocked. The whole time, a billboard with my face looked down on me, mocking me. I called CorpSec and they said I could be arrested if I told anyone I was the real Dolly. Who is the new Dolly? They said it was going to be an automata. It would take some of the workload off me so I could have a holiday. They said it would have my memories and experiences and knowledge. They'd been mapping my consciousness with the neural implant they gave me. That's so awful. They lied. They replaced me with another girl, another human. She barely even looks like me. But people will know. No, they don't notice. They've been using her likeness for a year now. So, what do you want to do now? Where do we go? I need to make a decision. My future is over. They are looking for an excuse to imprison me forever. If I break my contract, mention who I really am, I'll be put away forever. Are you? I was going to face them, gatecrash the live interview which is happening in 15 minutes. D'accord, t'es en train de fuir en fait avec nous. Bon, ça promet. Y a que des gens à problème, en fait. Il y a jamais de bonheur. Nivalis est sombre. Unless you have any other ideas. Start again. New name, new career. Move on. It'll be hard, but there is nowhere I could go. Oh, on va avoir un choix. I am forbidden to work, to have money. Leave the city. Why stay in Nivalis? Head out to the Eastern Peninsula, my old home. I would not survive there. You might. You'd have a better chance than here. I do not know. I can't decide. Do what you think is best. Take me wherever you please.
Très bien, vous l'avez entendu, Dolly compte sur vous. Laissez vos avis, je les lirai. Et prochain épisode, ce sera votre décision. Soit on l'emmène à son rendez-vous reportage télé, soit on la dépose à la gare pour qu'elle s'enfuit. Merci à vous, c'était Camon dans Cloud Punk. Et bye bye tout le monde.